Bonjour et bienvenue sur Valum Live. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer un petit peu à un jeu qui est attendu, une exclu PS4, par les petits gars de chez Insomniac qui sont principalement connus pour Spyro. Ils ont fait bien d'autres jeux, mais Spyro, c'est leur principale sortie sur PS1 à l'époque, mais 1, 2, 3, après ça a changé de studio. Et du coup, on va bien voir ce que ça donne. C'est parti. On va faire une nouvelle partie. Alors, on va voir ce qu'on peut faire d'histoire. C'est même pas ce que je veux défendre, on va attendre mal. Sur la caméra, soutien, oui, le choix pratique. Et voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il vaut ce petit Spider-Man des maisons? Il y a quelqu'un? Ah, ça y est. Ouh, qu'elle est mignonne et dégueulasse. Oh putain. Uncle Ben. Parce que c'est toujours un succès. On va surtout bien voir si la différence entre l'E3 2017 et le vrai jeu est réel. Donc on a un Spider-Man geek à souhait. Et un bureau qui est bien en bordel. Donc le Rhino, Fisk. Ça c'est bien dit. Non, on se calme la manette, hein. C'est bien des méchants de chez Marvel. Mobilisation de niveau 4, remplacement tour Fisk. Fisk? Oula. Il y a vraiment une troupe qui vient de se réveiller. C'est bon, j'ai vu un boxeur Spider-Man. Oui, il y a un boxeur Spider-Man. Il est autochrone au maximum. C'est la première fois qu'on voit l'intérieur d'un masque Spider-Man est vraiment ultra technique. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y a juste un bout de tissu et ça suffit. Soit en 1084 à la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Oula! Et il balance pas comme ça. Donc on reste sur du tutoriel. Faut s'habituer. On peut sauter. On peut attraper ça? Capitaine Watanabe. Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, on est à la tour Fisk. Mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. On peut se propulser. Comme si c'était fait. C'est pas sans rappeler ce jeu PS2 qui était sorti à l'époque, que tout le monde avait. On peut s'écraser et mourir, mais... Allô? Peter? Où es-tu? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Faut pas rater les multis. Oui, pardon, j'aurais un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis!
On fait des belles petites animations. J'ai intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. La petite animation différente entre ce qu'il se prend quand il saute, sa salto arrière, et ses petites figures perso. Dirait qu'Yori a appelé la cavalerie. Je peux courir sur les murs. On a besoin de renforts. Discorde le Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Juste tout tout tout, non pas commande, réglage, c'est pas ça, je oui voilà, vibration, désactiver les vibrations parce que c'est un petit peu désagréable, hein. Non mais c'est à moi de faire ça, c'est pour salut les gars, qui veut une tasse de café. Alors, bien frappe de toi. Votre sens d'araignée s'affichera. Préparez-vous à esquiver. Oui, c'est le même principe de combat que le Batman Arcade. Alors je vous préviens, j'ai la pêche aujourd'hui. Client suivant. Presque fini. Et vous? On est sur le point d'entrée. Ils sont premiers, ils sont. J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passerez les menottes. Ah mais il pique les gars. On a pris une bonne partie de la vie. Ça va. Ok Yori, c'est pire. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Moins bien sortir. Yori? Yori! Avec Fisk, se laissera pas faire. Comment est-ce qu'ils vont vraiment dépayer le petit Fisk? Il faut qu'on soit là, comme ça. Il nous foutre à terre, mais... Demandez des renforts et verrouillez l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais Ouais, allez-y. Yes! Allez-y. Le grand jour, Willy! Allez, garde! Hé, où tu vas comme ça? Ils ont quand même bien profité de la sortie. Allez, alors, accumuler de la concentration. Oui. Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout. Oh, oh, oh. Oh, merci pour le soutien. Ça me touche. Vos amis.
les projections d'objets comme ça, c'est toujours les mêmes. Ah oui, ok. Le mec marche comme s'il était sur du verre pilé. Didier. Ah, les sales bêtes ces machins là. Alors, c'est l'humain pour soigner. Tada. Voilà. Il faut que je m'occupe des tireurs. Je l'ai traversé, je me suis écrasé contre le mur. Ça part mal. Bon, au didacticiel. Il y a du niveau. Hein. Je m'occupe des tireurs. Un peu de tirer sur son pote. Il va me laisser. Je crois que c'est pas un gros. Un gros laps de temps pour, allez, pour esquiver quand même. Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Merde, je préfère une approche plus directe! Ce matin. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter! Priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos essuient des tirs. Fisk voilà, semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Trouver et l'arrêter. Oui, pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leurs serveurs. Il nous faut ces preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Il vaut mieux que je réponde. Projet de toile que tu vas sortir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr. Écoute, je dois te laisser. D'accord. T'embrasse. Moi aussi. Moi aussi, là, les pages extérieures. À moi de jouer. J'ai quand même pris des balles. Fais l'esquive, fais rien à battre. Ok. Mec englué par terre, quoi. Démerde-toi. Un coup de grâce. Tenez-le! Qu'il arrête de se faire! Tiens, vous savez que ça va mal finir pour vous! Bon. Les méchants ont quand même des gilets par balles avec le nom de leur boss dessus. Boss fait voir mort! Allez, au suivant. Bonjour du bot. Ça y est, ça commence à rentrer. Sûrement, mais sûrement. Il faut que je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Les niveaux verts? Ah non, c'est là-haut qu'il faut aller. Si je passe par là, ils détruiront toutes les preuves. Il mieux de chercher un accès discret. Oh, mais c'est pratique, ça. Hello. Tu passais par au-dessus.
Et du coup, on passe par où? Il doit y avoir une ventilation par là. Une ventilation. Je sais pas. Une porte. Et voilà. Ah, bah là-haut. J'ai pas mis les bonnes lunettes. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Plus vite, le boss veut que tout disparaisse. Je peux pas aller plus vite que la machine. Okay. Ils sont trop nombreux quand ils se doutent de rien. On est à la moitié. Encore une minute. Mais t'as vu, vas-y, viens. T'as mieux à faire. C'est une méchant, ça y est. C'est le service technique. Coucou. J'ai oublié mon mot de passe. Ne laisse pas approcher ta console. Entourez-le. Attention. Occupe-le. L'opération est pas finie. Donc tu pensais que les techniciens de mon ancien job étaient nuls? Il faut que j'accède à cette console avant que tout soit perdu. Oh mon dieu. J'ai plus que 25 secondes. Si on prend votre bouton, ça marchera mieux, surtout. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Enfoncez-moi cette porte, éliminez! Et dis, vous avez entendu ce qu'il a dit, votre patron? Éliminez-le! Regarde autour de toi! C'est mon œuvre! Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un gros criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Sans moi, la vermine que je tiens en laisse va se répandre! Bon, on reste sur un gameplay de la bataille. On en a vécu des choses, Fisk. Je suis presque triste que ça s'arrête. Loin de là. Dans ce cas, prépare-toi bien pour la suite. Voilà. C'est tout? Bon, on y va. Yori, une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Soignez-le. Soignez un peu quand même. Même les feux d'artifice. On en a encore. Je crois que c'était le dernier. Ok. Où est-ce qu'on s'en va là maintenant? Continue de monter. Hop. C'est bon, on y va! Salut les gars! Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir! Ils doivent être coincés! Occupez-vous d'eux! Nous, on se charge des bombes! Yep. Au niveau de l'araignée! Personne qui est... Tout le monde dehors! Évacuez le bâtiment! Oh, les sauts sont un peu lourds. J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai. Spider-Man, on est coincés. On peut pas bouger. Je vais les soulever. Dès que possible, foncez. Si vous pouvez, aider les blessés. Compris? Non. Ah 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 J'arrive! Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert. On a dérapé le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas.
amélioré. Faites monter les secours, vite. On essaie. Bonjour le méchant. Oula. Attention. Bravo. Ça suffit comme ça. Oh ouais. Ça va, encore des roquettes. Ça fait pas un peu beaucoup. Oui, mais si je regarde pas où je vais. Le mec qui a son pote, il en a rien à battre. Il faut qu'il tue bien même. Oh bah oui, mais il faut que je regarde ce que je fais surtout. Touché toi. Comment l'équipe de déminage a réussi à passer ça? On va là. Patience, il y en aura pour tout le monde. Ah, c'est pas mal. Bon, la salle est sûre. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. Bon, peut-être pas rester avec deux points de vie toute ma vie. Bonjour. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, celui-là? Passez devant, on sera juste derrière vous. Je sais pas pourquoi je sens que je vais me faire très attention, trahir. Chef. Ah. L'instinct de Spider-Man. Ils sont vulnérables dans le dos. D'accord. Alors vous fricotiez avec Fisk depuis le début? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant. Votre plan n'a pas marché. Place au plan B. Vous prenez une dérouillée. Voilà. Oh. Après, c'est plus les balles de son pote. Yuri, on dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. Bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant deux. Arrêtez-le, maintenant. Avec plaisir. Un monde de corrompus. Quand il est en mode sprint, il a un peu du mal, quoi. Les gauche-droite, il sait pas trop où il va. Le mec tranquille, il signe ses papiers. Ah, c'est plus normal. On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Spider et Man. Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Non, mais sous surprise, t'es pu venir jusqu'ici. Colossal, quoi. Mais tes pitreries s'arrêtent là. Oh, mon dieu, du verre. T'es conscient que je te vois toujours là? 8 années de cette insolence. C'est pour moi? Fallait pas? Tu as attendu bon moment. Ça charge! Maintenant.
Comment c'est possible? Eh ben Willy, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir. Regardez cette voix. Essaye toujours. Cette voix de Spider-Man est quand même relativement connue. C'est une ouverture. On te met, on te prend dans la flèche. Oh mais il en a rien à faire. Oh mais oh. Se calme le père. Il est vénère. Ah j'ai plus de lance-toile. Oh. Oh c'est bon qu'il allait accélérer. Je vais en finir. Allez, va te chercher. T'as plus. T'as rien à faire là, petit. Oh. Putain, mais les sprints qui tapent le machin, quoi. En tant qu'américain moyen, j'avais pas l'impression qu'il pouvait se déplacer aussi vite, quoi. Allez, laisse-moi regarder ailleurs. C'est une ouverture. Ah mais il y a des méchants en plus. Je suis mis bon pour le petit déjeuner, c'est pas clair. Eh oh oh oh, ce n'est pas plus de un peu à cran. T'es en train de perdre, oui. J'ai même pas commencé à jouer. Pourquoi tiens, j'ouvre ça. C'est pas pour que je visais à la base, mais... Arrête. Je ne peux pas entendre. Pourquoi je vous fais? Je ne comprends toujours pas. Pouf. Couché. L'araignée. À volonté. Je sais pas si... Oh, mais les mecs ils me tapent pas du et... Attends. Ça c'est pour les boss. Attends. On va laisser nous battre. Oh. Le jeu est vénère déjà. J'ai même pas commencé à jouer. Oh. Je suis censé faire quoi comme ça? Le mec me pourrit la gueule. Bon. On va se concentrer 2 minutes. Ah bah et voilà. J'arrête. Tu n'arrêtes pas. Toujours pas. Mais on... Bon, dès le début, on se barre. Hein. On va pas être la petite araignée sympa du quartier.
Mais non, non, j'ai dit. Il me bloque contre un poteau. Insupportable nuisible. Je reviens, faire mal vivre. Oh, je te vois. Putain. Téléporté sur moi. T'es en train de perdre, oui. Bon. J'ai même pas commencé à jouer. Je veux tenter le truc. Mauvais. Celui qu'il faut tirer, c'est le noir, pas le rouge, justement. Alors, tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Eh, hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin. C'est moi qui m'a donné l'ordre dans cette ville. Tu as, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. On verra ça. Le Kingpin va aller en prison. C'est la fin d'une époque. Faut pas fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Tada. Bon. On va faire quelque chose pour cette tenue toute déchirée, par contre. Hein. Un petit peu de couture. Alors. Oh là. Oui, point de compétence. Voilà, on gagne de l'XP, etc. Comme dans tous les jeux. Alors, innovateur, défenseur, tisseur de toile. Maintenez triangle pour saisir et projeter des ennemis entoilés et électrifiés. Bon, on va rester là-dessus. Appuyez sur rond lorsque le sens d'un devient bleu pour contrer votre ennemi. Ça, c'est bien, ça. Allez, on a fait. Hop. Ça va faciliter un peu les choses. Alors. Bon, au final, c'est pas moche, hein, quand même. Bon, on a vu. Faut pas avoir le vertige pour jouer à ce jeu. Le comité va arriver. Nous devons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. Son patron. Mais qui est son patron? J'adore l'enthousiasme des docks. Mais ça tourne lui créer des problèmes. Ça va me donner cher avant qu'il se blesse. Plonger. Non. C'est pas trop ce que je voulais faire. La vie a l'air d'être.
assez grand quand même. Je vais juste monter en haut. Voir un peu ce que ça donne. Je suis fini. Ça correspond à tout ce qui est en pas moche. Ça fait quand même un sacré terrain de jeu. En gros, là-bas, c'est moche, donc c'est beau pour nous. Bon, allez, hop. Allez, plonge. Oh. C'est ça qu'on attendait quand même d'un Spider-Man, c'est une sensation de liberté, tu vois. Se balader entre les gratte-ciels comme un zozio et pas de s'écraser. Ils ont réussi à faire quelque chose hein, qui est pas trop désagréable à gérer. Oula, gauche, droite. Raté. Reste là. Faut s'arrêter, c'est compliqué. Allez, on va au boulot. Super. Tout ce que j'attends d'un jeu Spider-Man. Allez au boulot. Pardon, je suis en retard, je me... Il a une tête bizarre, ce Peter Parker. Oh. Non, pas le Docteur Octopus. Vous avez déjà commencé ? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtre électrique ! C'est pas vrai. On devrait peut-être arrêter. Pas encore. Tenez-vous. Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Console n'aime pas du tout les cinématiques. Mais on progresse. C'est une bonne chose à savoir. Oh, mais tout est cassé. Bon, ben on s'en va. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Il n'y aura pas de phase suivante. Est-ce qu'on pourra aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en parlera plus tard. Tu es viré, Peter. Tu le sais pas encore, c'est tout. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtre n'a pas marché? Et Doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je comprends ce qui s'est passé. Tester le bras. Testons le bras. Oh. T'es pas en grande oui, forme, toi. Oui, bien sûr. Ça a l'air d'aller, ce bras. Voyons d'où vient le problème. Scientifique Simulator.
le circuit à non oh, c'est pas des puzzles. Si j'avais été là pour faire les contrôles, j'aurais remarqué. Entre la pièce de départ verte et la pièce d'arrivée orange. Bon. Alors, tu. Oh, ça va. C'est pas non plus du puzzle niveau maths sup. C'est pour ça que je me trompe. J'ai pas dit que je faisais maths sup. Ça y est. Ah. Voyons, on redirige les commandes du servomoteur. Ah mais il va pas me faire 50 fois ça par contre. T'es obligé de passer par tout le truc là ? Non. Ah bah si. Parce que sinon t'as pas assez de pièces. Ouh, punaise. Oh là là. Bonjour Pierre. Comment va Pierre? Je suis en pleine concentration là. Faut que j'utilise mes neurones et ça devient compliqué. Parfait. Ok. Tu te trompais de jeu en fait, j'ai acheté le professeur Layton. Et on dans la redistribue boîte de... l'attention. Ah mais il y en a combien? Charge positive ou négative, oui. Et... faut arriver à zéro à la fin? Oh putain. Tension actuelle 1. Tension actuelle 0. Tension visée 3. Ah. Il manque des pièces là. Ah ça y est. Pas la bonne tension, voyons. Ah mais j'ai 2 plus 2, voyons. Fini. Bah, j'ai fait la première mission, ce qui est déjà pas mal, qui était longue. Et le premier boss était... comment dire... je vais pas dire dur, mais casse-bonbon. Voilà. Voyons si ça marche. Comme neuf. Oui. Put your hands up. Yeah. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. Oui. C'est passionnant comme moment. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'aguiche. C'est le grand jour. Ah non. Audit. Non, pas des journaux audio, non. Je peux pas écouter. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, utilisez des fragments de la substance inconnue et faites correspondre les raies d'absorption avec le spectre, oui. On sera en cours de physique de première. Alors là, on va prendre ça. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Ben oui. J'ai comme l'impression qu'ils essayent de rajouter un peu de durée de vie avec des puzzles nuls. C'est pas top top quoi. Composite hydrogène polymère. Résistant. Mais avec une forte impédance, je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Mmh. Avec une telle impédance, voyons, c'est pas possible. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation. Nouveau projet cinématographique. Non. Voilà, j'ai fini ma journée. Au revoir. J'ai envie de tisser, dépêchez-vous.
Cet écran est plutôt classe. Mmh. Voilà. Habille-toi. Hop. Va faire ton tour. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, fils, t'es arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un trait. J'ai juste un truc qui me perturbe. Je sais pas si c'est moi ou si je suis fou. J'ai l'impression que les bords de l'écran sont noirs. Ça doit pas être moi. On doit pas pouvoir y faire grand chose. QTE auto. Oh, oui, super. Non, bah ça doit être en dangereux. Il est en droite. Ah! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas, fils de mal content. Vous voyez, monsieur le commissariat, j'ai un problème et j'ai besoin de vos talents. Il peut tous s'échapper. À vous, Yuri, je refuse rien. J'arrive tout de suite. C'est marrant. On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation physique. On va m'entendre plus. Je vais vous expliquer un truc, je vais pas vous retenir. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les parjours avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gants dans le rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? C'est moi le crétin masqué, mon dieu. C'est tout ce qui compte. Oui, bah n'empêche que je peux fournir mon tuyau de cuivre sans verser ta chiche. Alors on attend votre guerre des gants et moi je vous tiens à rien. C'est un peu le bordel, des fois il fait pas exactement ce qu'on veut. Hein. Bonjour chez vous. Ah. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sans moi. Wouhou. C'est quand même sympa, hein. Petite balade comme ça. Aïe. Nion. Bah, elle a l'air grande, hein, quand même. De ce que j'en ai vu de loin, elle avait l'air grande. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici ? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Besoin d'un cavalier pour le bal ? Vous allez inscrire Smoky ? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non ? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça ? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes ? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi qui vous appelez ? Une heure, oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis !
Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Jette-moi un coup d'œil à cette tour. Je finis mes bonbons. Et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui faire à lui ? Décrypté. Fréquence d'entrée sont assez subtiles. Oh, ça ressemble à... Ça ressemble à Batman. Alors, on va changer la hauteur. Tada ! Ça va, c'est trop dur. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous ? J'en ai ce masque, hein ? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours ? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Connu. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage par l'endroit. Parfait, j'ai des unités, pas moi. Pas la peine, je m'en occupe. Localisons, c'est parti. Good Boy était juste à côté le crime. Oh, mon dieu. Vas-y. Couvre-moi. Oh, le vilain crime. Les mecs, ils savent qu'il y a un système de surveillance high-tech qui surveille tout le monde H24, et non, ils testent quand même. Pourquoi je pas. Je doute que ces types aient oublié leur clé. Peut-être frapper à la toile, moi, tiens. Voilà. Là, je tue des loupards. Ok, c'est payé. Merci. Oh, j'ai un jeton Spider-Man. Un jeton de crime. Ah, vous avez de la chance. Super. Et justement, un vieil inspecteur Bougon s'est mort sous la main. Quoi ? T'as rien fallu, ça ? Non, vous m'avez promis que vous soyez... L'inspecteur Spider. Oula. Je vous en prie. Le détruit se comporte un peu chelou quand il arrive face à... Face à une... Face à un obstacle un peu sur son chemin. S'accroche à l'avion. Alors c'est toi la balance. Dégage, raclure. Oh ouais. Laissez Gloria tranquille. J'ai dit dégage. Mais fiche-moi la paix. Oh la bouffe est armée. Ne me touche pas. Laissez-la tranquille. Oh, non. Bonjour. Putain. Une poubelle dans ta tronche. Faut laisser le temps. Oh tiens, hé. Non. Oh, hé, oh, oh. Le mec me laisse pas le temps de rien faire. Oh, hé, oh, oh. Oh, bah voilà. Dégage d'ici, ou je la bute. Laisse-moi. Non. Ah oui, la toile à 10 cm du visage. Bon, ça, ils auraient pu faire un peu d'effort quand même. T'as l'air bien, toi. Bien, madame. Ah oui, il a disparu. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un comment ça, je suis bizarre. Je peux me débrouiller toute seule. Personne n'a le droit de se balader avec, une tenue moulante en pleine ville. Oh, mais dis donc. Je sais, c'est quoi mais cette, je veux pas la charité. Cette ville dégueulasse. Elle est doublée de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Toi, je sens... Non, Spider-Mec. C'est Spider-Man. Mais... Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour, là-haut. Non, pas les tours. Tout sauf ça.
Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de son rire. Putain, il est un peu schizo lui aussi. Hein. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. C'est quand il s'est battu contre Fisk. Et non pas Fisk. Je sens que je vais regretter. Parce que là, c'est pas sur le torse qu'il aurait une griffure. Et il me semble dans le trailer, je veux pas spoiler, mais c'est pas cette tenue-là qu'il a. Ça, ça doit être la tenue de base. Oui, il se bat contre le Fisk, effectivement. Je suis sûr que je pourrais modifier. Parce que, en fait, Spider-Man, c'est un Rift Mania. Je prends phase. Ah bah voilà, je prends phase. Rien compris. Allez. Oh mon dieu, c'est vert là-bas. Bigo. Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Ça va être un truc à la con, genre faire la course. Qu'est-ce que c'est que ce bip? C'est en dessous. Un sac à dos entoilé. Oh, wow. Ok. Un vieux sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé les balises. Oh, ce sac à dos est là depuis 6 ou 7 ans. Tous les points verts, c'est des affaires. Mais il a un souci, ce mec. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est plus grand que ce que je croyais. Ah ouais, ça a l'air quand même assez grand. Ça fait quoi si on va sur un de ces ponts? Le menu de notre premier vrai rencard avec MJ. J'aurais aimé l'emmener dans un endroit plus chic, mais ça n'a pas eu l'air de la déranger. Fiorito. Ce nom. Toujours là? On a un vol à quelques minutes. Super Spider-Man fait son salto avant, sans élan. Il est où le crime? Il est là-bas. Allons au crime. Vite! Secours des demoiselles en détresse. Tan, 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 tan. Ah, c'est pas une demoiselle, ça. Je suis pas sûr de vouloir le sauver, du coup. Eh, hey, salut! Ah! Spider-Man! Tire! Oh, qu'est-ce qu'il dégole? Tiens! Coucher la bête. Alors ça c'est de la caméra comment dire, j'ai envie de dire inutile, mais coucher ça. Non, me tire pas dessus, vilain. Ah. Qui est chiant avec sa voix grave? Qu'est-ce qu'il me dit? Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, j'ai un vous auriez pas besoin d'un criminel. Mais j'ai qu'une arme, toi. Raté. Je trouve qu'il a une voix grave, Spider-Man. Mais cette voix de Spider-Man, elle est connue. Le doubleur, c'est, bon, oui. C'est pas le premier Spider-Man qui doubleur. Genre dans un dessin animé ou quelque chose comme ça. Eh bien réfléchi, Yoé. Être policier, c'est un truc de jeune. L'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Ah non! Non, c'est le doubleur de Spider-Man. L'inspecteur Spider, la dernière. Bilogie. Nous tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider. L'infatigable. Celle avec Electro et. Yoé, vous êtes là? Ah, je sais plus, qui est sorti il y a quelques années là, qui était pas mal. The Amazing Spider-Man, voilà. Et
les deux films The Amazing Spider-Man. Ah, quand il fait pas sa voix normale. Et des fois ça s'accroche, tu sais pas trop où. Hein. Comment ça viser? Pas viser moi. J'ai pas le son à fond donc j'entends ce qu'il dit mais pas tout le temps quoi. Truc, t'es loin d'un coup. Mais bon, ok. Wow, niveau 3. Ah, il y a encore un de mes sacs à dos là-bas. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont là-haut. Ils ont dit que ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient ça, et là ils commencent à dire mes trois poils sur le torse. Mais il a quel âge? J'ai 16 ans, j'ai commencé à 11 ans à combattre le crime, c'était sympa. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. C'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. On sait que vous voulez que je passe à voyons. Quand on voit les films. Quand on voit la série Spider-Man quand on était gamin. Le méchant Dr. Otto Octavius. Apparemment, il a chuté la Dr. Octopus. Évidemment, t'es mon patron. Central Park, ça? Oh non, c'est mini Central Park. Avis à toutes les unités, des témoins signalent un enlèvement. Incident contre la Union Square, répondez. Oula, l'IA qui est intégrée à la tenue peut m'indiquer la zone où se trouve la victime. Un enlèvement? Ça. En pleine rue? Ça paraît bizarre, hein, ton histoire d'enlèvement. Ça doit être une de ces voitures. Une de ces voitures. Toc toc. Ouvrir les coffres? Non. Bah. Taxi. Je vais configurer mon oreillette pour qu'elle détecte les sons de lutte. 6, 5, 1, attends. Oh, ce coffre est vert! Du calme, je suis là. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Ils peignent leur coffre en verre, hein. Comment les veux-tu, voilà. Ils vont me remettre là-dedans. Les gars, Spider-Man essaie de fallait pas aller acheter un sandwich après avoir kidnappé le mec. Putain, je prends deux balles, j'ai le tiers de ma vie qui part. Ils sont un peu craqués par contre. Moi, vous pensez des mesures à la tronche. Oh, ne pas laisser le temps. Chaque coup fait quand même sacrément mal. Niveau barre de vie, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Hein. Pas un coup, quand même. Bon, il est où mon enlèvement? Il est où le coffre vert? Non, il n'y a plus d'enlèvement. Tu es mort, le mec s'est à nouveau fait enlever. Après que tu l'aies libéré, du coup. Oh, et la vache, Tarzan, il se rate là. Spider-Man a perdu de son prestige. Tout, tout, tout. Je suis à fond! T'as un problème, toi, sur ton balcon? Ah.
Les méchants? Où les méchants? J'entends Malfra. Ah, mais ils sont là. Coucou! Non, ce sont pas des malfrats. En fait. Oups. Un journal. Bon, allez. Vous énervez un peu quand même. Presque ça, je commence à réussir à viser. Ça paraît facile comme ça, mais... pas tant que ça. Nous revoilà au boulot. Bordel. Ring ring. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Non. C'est honteux ce qu'il fait. Ah non, c'est une porte ouvre pas. Alors une porte fermée dans le jeu est une porte fermée. Faut pas chercher à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! J'espère que c'est pas un des livres porno du docteur. Le doc a fait de grandes découvertes pendant toute sa carrière. Non, ça va. Il s'est toujours fait éclipser. Avec son bras à branle. Cette fois, son bras à branlette, ça là. C'est un peu inquiétant quand même. Il avait pas l'air aussi troué sur le. Quand il l'avait sur Peter. La gueule. Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je. Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. On dirait le costume de Spider-Man! Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez. Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Comment ça? C'est le costume de Spider-Man? Mais non, c'est mon pyjama. J'avais trop peur que ça se sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oh. Oui. T'en fais pas. Putain, mais il est trop con, mec. Eh bien. Le mec, il voit son employé qui est tout le temps en retard, qui est jamais là, qui arrive toujours essoufflé, bosser sur un costume de Spider-Man. C'est bien, tu fabriques les gadgets de Spider-Man, t'es vraiment un bon gars, hein. T'inquiète pas, je le dirai à personne, hein. Putain, la façon de. Regarde, façon de mettre des messages. Heureusement que tous les patrons font pas ça. Hein. Oh non, ça va devenir la lecture de mail simulateur. Non. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costume de Spider-Man. D'ailleurs, est-ce le bon terme? Mais qui est trop con. Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu Crayonner et en tant que partenaire. Tu as beau te tuer à la tâche, tu trouves toute une araignée Chut. Blanche, hein. Ah, pas mal. Donc ça, c'est lui. Donc effectivement, il y a moins de trous que sur le morceau qu'on nous montre. Bravo. Ah, tu peux changer. Ah voilà, la tenue. C'est ce qui me semblait. Alors, appuyez sur L3 plus R3 pour l'activer. Oui, 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 mode de tenue, pouvoir de tenue. Ça devrait le faire. C'est bien. C'est pas mal. Allô ? Comme des gros morceaux de blanc, hein, c'est...
Retutoriel. Wouhou. Non. Je veux pas m'apprendre à grinder. Spider-Man, je crois savoir comment les hommes du CISC arrivent à maintenir ces activités via ces chantiers. Ça a pas fermé quand on l'a arrêté ? Non, c'était l'une de ses activités officielles, avec différents investisseurs, et impossible d'agir sans preuve. Mais on a ce qu'il faut maintenant, non ? J'espérais que vous pourriez surveiller ces différents sites et me dire si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Entendu ! Je serai votre araignée fouineuse du quartier. Eh ben va te coucher. Putain, ça lui moule le boule par contre, cette tenue. On peut faire de la marche. À demain. Bon, bref, arrête les bêtises. Lorsque vous voulez, mes fidèles auditeurs qui se font appeler les têtes de brosse, j'ai jamais trop compris pourquoi, se souviennent de ma mise en garde contre le système de surveillance anti-crime, le Big Brother, que la ville voulait mettre en place. Eh bien, il ne marche pas. Vous me demandez pourquoi? Parce qu'un homme plein de bon sens a réalisé que c'était une attaque aux libertés civiques? Non! Parce que ces incompétents de bureaucrates ont bâti un réseau qui... Réglage audio, il m'a dit... Yoré! Je suis sur l'un des chantiers de fisc. Il y a pas mal de monde ici. Mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Essayez de voir ça. Garde. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Ok, grâce au plan d'auto... Toile de choc. Maintenant. Oui. Ok. C'est bien. Ah, mais on peut améliorer tout ça. Ok. Wow. Ça pourrait bien marcher. Wow. Alors. Toile de choc. Parfait. Le doc serait fier. J'arrive pas à croire que Spider-Man est fini par ça reste de l'infiltration. Enfin, c'était presque ça. C'était presque de la discrétion. Est-ce que je peux arriver derrière lui? Hi, touché. Il va me voir, le salaud. On va pas s'accroupir pour être plus discret, parce que moi... Comment on les récupère? Les dodos. Ah, en tuant les mecs, d'accord. Faut tilter, hein. Couché, toi. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Pouvoir de tenue. Vous avez quoi? Concentration de combat. Ah. Bon, allez. Au suivant. Oh. Bah, il chope les grenades, il est complètement con. Tu parles d'une idée de génie, toi? Oh non, vague 3. En voilà d'autres. Y'en a combien? Oh, mais ça picote. Spider-Man,
On a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison partout du chantier. Du trafic d'armes ? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Mais je suis mort. La vache. Je sais pas combien ils sont là, mais... S'accrocher. Chopez Spider-Man. Le boss veut sa tête. Non, en voilà d'autres. Mais ils se font là. Le chaud, cacahuète. On n'est pas arrivé hein, parce qu'il y a 6 vagues. Mais... C'est du trop tôt. Hein? Oh non, en voilà d'autres. Tiens, sac de ciment. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés maison autour du chantier. Ah mais laisse-moi cliquer. Du trafic d'armes. Bordel. Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. C'est nul ça! C'était facile! Eh ben dis donc. C'est pas la grande joie, hein. C'est Spider-Man! Vous savez quoi faire! Oh non, en voilà d'autres. Fumez-le. Mais va pas vers les balles. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pavés maison autour du chantier. Trafic d'armes. Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Allez hop, à toi là-bas. Oui. S'ils ont appelé leurs copains. C'est vraiment pas bon jour. Ah, mais du coup, étant donné que ta concentration est finie, tu peux remonter ta vie à l'infini. Intelligent. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, mais... c'est quoi votre problème? Tu vas la fermer définitivement. Ça c'est bien vite le bordel, hein. Allez. Je vais maintenant.
T'as deux en même temps. Hop, couché lié. Aussi qui peut être utilisé. C'est pour quoi? Le roi est condamné, capitaine! Couvert de toile, pour être précis! Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail! Wow. Fisk a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Oui, oui, c'est ça. Si je veux trouver tous les chantiers Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Non, je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver. On a encore un traitement 3D à l'aide des bâtiments et monuments. Et je sais pas bien commencer. Trophée ou un truc comme ça quand on vole vers les oiseaux. Bon allez, une petite dernière mission et ce sera tout pour aujourd'hui. Peter, bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe d'excidence. Mon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Ça fera l'affaire. Ma carte a dû se recalibrer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de photo. J'avais oublié à quel point ça me plaisait. Je devrais continuer à chercher d'autres monuments à l'occasion. Mmh. Oui, on fera ça. Peut-être. C'est le soleil. Allô? Peter, c'est Martin V. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Voilà. C'est mieux comme ça, hein. Voilà, bah il y a un sac à dos, vite. Vite, faut que je récupère mes sacs à dos. Il y a mon slip dedans qui est là depuis 3 ans. J'imagine pas l'état. Bonne nouvelle. Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention.
La précision n'est pas son fort, on va dire. C'est fantastique, Doc. Les affaires reprennent. Rayon, sans le bulle sur la zone. Que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Très bien. Tu seras à l'essayage. Le type de liquide blanc. Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas le cataclysme, c'est déjà formidable. Allez, je pense que là, et ça sera on va marquer les annales. Hop. Le mutant. Merde. Oups. Salut Peter, tout est bien pour la fête. On attend que toi. Cool, je me mets en route. La toile de choc, ça. La frite. Couchez la bête. Voilà. Au moins Fisk tenait tous ses dealers en laisse. Oh, alors je vais juste faire mes petites améliorations. Mode de tenue. J'aurais pu mettre tout ça en fait depuis tout à l'heure. Alors, technologie de combat. Génère de la concentration. Seconde pour réduire les dégâts causés par les attaques en mêlée, augmente la portée de votre scanner, on s'en fout. L'XP reçu, ça peut être bien ça. Réduit les dégâts des balles. Bon, on va mettre là. Un. En deux. L'impact des balles parce que les balles... Oh non, j'ai pas assez. Bref, bon, on va faire ça. En tenue, il y a quoi? Il y a la classique, la nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Costume classique réparé. Ok. Oh mon dieu. Bon, ça, c'est tous les costumes spéciaux des BD, enfin, des comics. Achat impossible. Scarlet Spider. Oh. Oh la vache, il y en a des sacrément bizarres. Est-ce qu'ils vont avoir mis celle des films? Ça pourrait être sympa. Alors, pouvoir, oui, ça c'est bien. Compétences. Augmente votre marge de manœuvre pour rester... Oh, ça c'est pas mal. Appuyez sur carré lorsque votre coup touche un ennemi pour générer un bonus de concentration. Non. On verra ça plus tard. Tisseur de toile. Hop. D'accord. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts, génèrent plus de concentration. Oh, les figures aériennes, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Il me manque? Oh non. Tu fais ça, tu sautes, tu fais. Hop. C'est le canon. C'est beau. Et ben, ça va être sur ces magnifiques pirouettes. Et ben, qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'y arrive. Ah oui, laisse-toi faire, mon dieu. Il est farouche, le petit speeder. Non, raté. À toutes les unités. Attaque signale. Voilà. Alors, et du coup, oui, tu retombes pas. Bon, bref. On s'arrête là pour ce soir. On se retrouve alors pour le prochain stream dimanche, après-midi vers 16h. Et du coup, je vous dis bonne soirée. Et à la prochaine. Tchuss.